ce n'est pas une erreur. On l'a voulu ainsi. Vous savez, Charles, qui anime cette émission, est un peu, disons, pas malade, mais indisposé. Nous allons recevoir aujourd'hui un jeune docteur. Il s'appelle Spartacus Kabbala. C'est un Mourega. Il est docteur en sociologie de l'éducation. Il vient défendre sa thèse, mais cette thèse rejoint mais complètement une antienne, c'est-à-dire un refrain que nous cessons de répéter dans cette émission Profondeur. Et vous qui suivez souvent cette émission, je crois que vous ne serez pas surpris par ce titre, je cite, « Intégration des valeurs culturelles congolaises dans la réforme du système éducatif congolais ». Tous les amis de Profondeur, ensemble nous avons répété, c'est presque notre leitmotiv. Alors quand j'ai appris qu'il avait défendu cette thèse et qu'on a échangé, j'ai eu tout de suite envie de le recevoir dans Profondeur, mais également dans Intello pour partager ses idées. Des idées intéressantes, et si vous en avez aussi, n'hésitez pas à venir nous les présenter. Monsieur Spartacus Kabbala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibam. Du haut de vos 40 ans, si vous avez abordé le sujet, si le sujet vous a intéressé, vous a passionné, c'est parce que vous êtes parti d'un constat. Moi, j'ai l'impression que dans votre parcours, vous avez été choqué par quelque chose. Si je me trompe, dites-le-moi. Effectivement, M. Kibambi, j'ai été choqué par le fait de constater qu'au jour d'aujourd'hui, on ne remarque pas une différence comportementale entre les ressortissants des établissements d'enseignement, en l'occurrence les universités, et les jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier, qu'on appellerait même les jeunes de l'arbre. Alors que dans le milieu traditionnel, il est fort de constater qu'un jeune garçon, je pars du modèle qui m'a inspiré, du peuple léga, un jeune léga qui sort de l'initiation, âgé de 16-17 ans, dès lors qu'il vient de là, à l'issue d'une formation de 3 ou 4 mois, on sent que c'est une personne transformée. Sa manière de parler, sa manière de penser, sa manière de se comporter est complètement différente des d'autres personnes qui n'ont pas suivi cette formation. Voilà ce qui m'a révolté et qui m'a jeté maintenant dans la recherche. Donnez-nous un exemple, que cette différence, vous la voyez comment? Voilà, je vous assure, un garçon léga initié, âgé de 18 ans, 19 ans, voire 16 ans, il s'oblige de construire son toit. Il s'oblige d'aller à la forêt chercher quoi nourrir sa famille. Autrement dit, c'est une personne complète, utile à la société, capable de défendre son village si ce village est menacé, par exemple, par des envahisseurs. Alors que, lorsque j'observe le jeune de la ville, étudiant ou intellectuel de surcroît, je me dis, jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, il y en a qui restent toujours sous le toit parental. Et il y en a qui se disent, bon, je suis encore là jusqu'à X temps. Ou il y en a qui exagèrent jusqu'à dire, j'attends le décès de notre père pour que j'hérite à l'éternité notre maison. Bref, je note une certaine inefficacité de cette formation dite moderne par rapport à la formation traditionnelle que je considère très efficace. En tout cas, un jeune initié est courageux. Un jeune initié est courageux, consciencieux, responsable. Très bien. Alors, pour revenir à notre sujet, ce sont ces valeurs, vous l'avez dit, qui manquent à l'autre garçon qui pourtant a fait de longues études. On ne sent pas tout au moins la transformation. Alors vous dites, pourquoi ne pas
changer les choses? Pourquoi ne pas insérer cette culture congolaise dans le système, le système éducatif congolais? On commencerait par quoi? Très bien. La réforme du système éducatif, c'est un impératif, M. Kibambe. On commencerait d'abord par identifier ces valeurs culturelles au regard de la multiplicité des cultures congolaises de manière spécifique et je dirais même africaines de manière plus large. On identifie ces valeurs et on retient les valeurs que l'on considérerait comme communes à nos différentes cultures. On les revitalise, on fait savoir leur importance, leur utilité dans la transformation des personnes utiles à la société, et puis on les insère maintenant dans les systèmes éducatifs. Et ici, je fais part de deux systèmes éducatifs. Le système éducatif que j'appelle formel, celle qui part de l'école maternelle, primaire, secondaire, universitaire, et un autre système éducatif que j'appelle non formel, c'est-à-dire celle qui a pour mission de récupérer ces enfants abandonnés parfois par la société, mais qui ont la potentialité d'être réellement utiles à la société. Commençons par le commencement. Comment on identifierait ces valeurs? Très bien. L'identification de ces valeurs partirait tout d'abord de la mise sur pied d'une structure de réflexion. Cette structure de réflexion doit, à mon avis, être constituée de deux catégories de personnes. Nous avons d'une part les personnes qui incarnent ces valeurs que nous appelons les chefs coutumiers, les personnes âgées et d'autre part les scientifiques. Alors, la mise en commun de ces deux catégories de personnes devra partir de la remise en cause du système éducatif que j'appelle moderne, de son inefficacité. Par l'inefficacité, je vais dire l'incapacité qu'ont les ressortissants de notre système d'éducation à apporter des solutions réelles aux problèmes de la vie. Nous avons, par exemple, un ingénieur en agronomie, mais qui n'a même pas un jardin, de surcroît, incapable de produire quoi manger. Nous avons un médecin qui, pour diagnostiquer un malade, il oblige l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas épris de l'éthique. Je disais, il faut commencer par remettre en cause ce système éducatif, regarder qu'est-ce qui constituerait le fondement de l'efficacité du système traditionnel, identifier ses valeurs, les revitaliser, les sensibiliser en éduquant tous les membres concernés et puis les insérer maintenant dans les curricula. Allons lentement. Ce que vous dites, vous savez, nous le chantons tous les jours. Mais c'est justement au niveau de la récolte de ces valeurs que se situe le problème. Parce qu'il est question de chambouler tout le système. Alors, cette rencontre se ferait comment aujourd'hui? Soyons concrets. Nous descendons dans un village, où nous descendons chez vous, chez les régas, les intellectuels, nous réunissons les autres et nous parlons sous forme de forum. Comment ça se ferait? Soyons un peu concrets. Je vais être concret et je vais partir d'un exemple concret. Quelle est la problématique que souffrent nos institutions aujourd'hui? La première problématique se pose en termes de la personnalisation des animateurs de ces institutions. Alors que dans le système éducatif traditionnel, on enseigne l'impersonnalisation. Impersonnalisation veut dire une institution est forte lorsque celle-ci n'est pas identifiée à un individu. Autrement dit, toute personne se considère comme faisant partie de ce système et du coup obligée à apporter sa contribution pour la fondation et l'épanouissement de cette institution. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Dans mon texte, j'ai défini une valeur, parce que c'est ça le point de départ, comme l'ensemble d'éléments sur lesquels une société s'est fondée, se maintient et se développe. Voilà les valeurs. Que faut-il faire maintenant pour recenser ces valeurs?
Nous avons quatre aires sociolinguistiques en République démocratique du Congo. Nous avons l'aire linguistique Swahili, l'aire sociolinguistique, devrais-je dire, Swahili, Congo, Luba et Ngala. Il est vrai que sur le plan anthropologique, ces aires socioculturelles partagent des valeurs communes. Une des valeurs communes, la solidarité. Comment l'expression de la solidarité s'exprime? Il suffit de poser la question aux personnes de l'aire sociolinguistique Ngala, par exemple, comment vous exprimez votre entraide, comment vous vous apportez l'assistance mutuelle au sein de votre organisation lorsque, par exemple, vous apprenez qu'une personne est décédée. Vous allez réaliser que dans toutes nos sociétés, nous déployons ce que nous appelons une solidarité mécanique. Dès lors que vous apprenez qu'il y a une personne qui est décédée, vous abandonnez tout ce que vous faisiez et vous y allez très vite. Et parfois, vous y allez même avec votre assistance matérielle. Ça, c'est la première des choses. Nous devons identifier au sein de nos différentes cultures ces valeurs communes en posant des questions, comment cela se déroule. Deuxième aspect, l'identification des formateurs. Comment dans l'espace sociolinguistique Ngala, par exemple, on identifie les personnes qui sont censées former le jeune à la vie. Est-ce qu'il s'agit d'une sélection subjective, c'est-à-dire parce que tu es l'enfant de tel que tu mérites d'être formateur, ou plutôt parce que pendant votre formation, vous vous êtes distingué positivement par des actions de qualité, ce que nous appelons un référentiel d'appréciation, que vous avez été sélectionné et du coup, vous avez la propension de former également les autres jeunes aux valeurs. Donc, nous identifions ces valeurs et puis nous les croisons au sein de nos espaces sociolinguistiques afin de sortir ce que moi j'appelle maintenant un cocktail culturel. Et c'est ce cocktail culturel que j'ai dit, nous allons examiner avant de l'insérer maintenant dans le système éducatif mondial. Peut-être plus tard je peux en parler, je propose même les mécanismes de l'organisation d'une réforme efficace, les étapes à suivre. D'accord. Bon, alors, les personnes chargées de cette formation, il y en aurait deux alors. Une personne qui est chargée de l'éducation traditionnelle, formelle, et une autre chargée de cette formation non formelle. C'est ça? Ils se couplaient, ils se rencontreraient à quel niveau? Très bien. En réalité, il n'y aurait pas deux personnes différentes, mais je dirais deux personnes parallèles. C'est-à-dire, il doit d'abord y avoir une formation mixée entre ceux qui sont les tenants du système éducatif moderne et ceux qui sont tenants du système éducatif traditionnel. Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Nous sommes maintenant dans le domaine d'agronomie, par exemple. Vous savez que nous avons nos vieillards qui sont au village, qui produisent énormément du riz ou des maïs. Ils ont la maîtrise des techniques culturelles, n'est-ce pas? Sans qu'ils aient suivi des formations d'agronomie. Mais ils produisent quoi manger en abondance. Et de l'autre côté, nous avons des ingénieurs qui ont appris des théories culturelles, mais comme je les dénonce, qui n'arrivent pas à mettre ces théories en application et à produire quoi manger. Que faut-il faire? Ces deuxièmes, donc ceux qui sont dans le système éducatif moderne, devront poser des questions à ceux qui sont dans le système éducatif traditionnel, des questions pour identifier les secrets de la qualité de leur production. Alors, vous comprenez, la mise en commun de ces intelligences va permettre à celui-ci et à celui-là d'être outillés pour un seul objectif, produire une quantité abondante d'aliments afin de mettre fin à la famine, si je peux dire comme ça. Est-ce que dans cet exemple, vous allez jusqu'au bio, c'est-à-dire ceux qui sont restés produisent du bio? Alors que les autres seraient habitués à travailler avec des engrais chimiques. Évidemment, les vieillards qui produisent une bonne quantité
de maïs, par exemple, ils ont l'air engrais. Naturel. Tandis que les autres, ils ont des engrais chimiques. Que faut-il faire, à mon avis, lorsque on met ensemble les deux intelligences? Il faut maintenant miser sur la qualité d'aliments que nous voulons produire. Point n'est besoin de démontrer la problématique de la santé engendrée, par exemple, par les produits de cet ingénieur agronome qui se sert d'engrais chimiques. Okay? Qu'est-ce que nous visons? Nous visons la santé de l'homme. Celui-là va dire à l'autre, voici les avantages du système de production avec les engrais bio. Et l'autre va dire, voici les avantages du système de production avec les engrais chimiques. Ici, nous allons trouver la quantité, mais là, nous allons trouver la qualité. Et au finish, c'est la qualité qui prime. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, point n'est besoin de le dire, on nous parle de manger bio. Manger bio n'est autre que manger traditionnellement. Vous savez, ce que vous dites là, mais alors ça nous prendrait beaucoup de temps parce qu'il faut former toutes ces personnes. Vous pensez que ça pourrait nous prendre combien de temps avant de mettre cette théorie en pratique? Merci. Avant d'insérer les valeurs culturelles traditionnelles. D'abord, sociologiquement parlant, et sur le plan éducatif, il est établi que l'éducation, c'est une démarche de longue haleine. Il ne faut pas avoir peur du temps. Parce que... ce qui se fait sans lui... Voilà. Et d'ailleurs, l'éducation elle-même n'a pas de limites. On éduque l'homme dès sa conception jusqu'au jour qu'il va être enterré. Donc, nous n'avons pas le temps matériel à fixer sur ce que ça prendrait la formation à l'éducation aux valeurs culturelles. Par ailleurs, il faut déjà commencer par quelque part. Et comme je disais, là où nous devons commencer, c'est mettre ensemble ce que moi j'appelle les savants traditionnels avec les savants modernes, mixer les intelligences afin de sortir un système éducatif. Oui. Si je parlais du temps, il faut en tenir compte parce que le colonisateur nous a imposé son système et dans notre chaîne, dans nos têtes, il n'y a que ce système qui vit. Il faut, je ne dirais pas le détruire, il faut le modifier. Bien, faut-il modifier? Moi j'ai dit, il faut plutôt repenser. Évidemment, envie de modifier, envie de changer, de transformer, dirais-je. Et je vais faire une petite marche arrière. Lorsque le colonisateur est venu, sa mission était de nous civiliser. Civiliser veut dire nous apprendre à manger, à boire, à s'habiller, à parler. Comme lui. Et du coup, c'est comme si nous n'avions pas notre manière de nous organiser politiquement, de manger, de nous soigner. Vous voyez? Et du coup, il nous a obligés d'abandonner nos valeurs qu'il a considérées comme sataniques, dépassées, sauvages, et il nous a imposé sa manière. Et cette manière, je l'avoue, nous ne l'avons pas maîtrisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et du coup, que faut-il faire? Il faut se ressourcer à nos valeurs. Permettez-moi d'illustrer le cas du docteur Jérôme Mounyangi, qui s'est inspiré de la manière traditionnelle que son grand-père soignait le paludisme, à travers l'Artémisia, et il a mis son intelligence moderne en tant que médecin sur la modernisation de cette Artémisia qui, au jour d'aujourd'hui, a fait preuve de son efficacité puisque les médicaments antipaludins que nous prenons. Vous comprenez qu'il est urgent, et là je suis d'avis avec vous lorsque vous parlez du temps, il est urgent que l'intellectuel, et particulièrement les anthropologues, les sociologues, les historiens congolais se mettent ensemble, fassent une identification exhaustive de ces valeurs culturelles, les revitalisent et les insèrent dans le système éducatif. Oui, parce que si nous avions encore en nous un peu de ces valeurs, par exemple les valeurs de solidarité qui faisaient en fait que dans mon village, j'espère que chez vous aussi c'est la même chose, on pouvait partir et laisser l'enfant comme ça, tout seul. Ouais. Mais
cet enfant était en fait encadré par ceux qui, par les autres villageois qui étaient restés là. Valeurs qui sont aujourd'hui disparues, qui ont disparu, qui sont parties avec le temps, parce que, conséquence, nous avons des chégués, personne ne peut s'en occuper. Cette solidarité est partie. Et là, je vous donne raison. Voilà. C'est tout à fait fondé ce que vous venez de dire. Raison pour laquelle moi, je propose dans ma thèse la mise en œuvre d'un système éducatif non formel où les anciens, par exemple, on aurait un conseil des anciens du quartier ou de l'avenue qui se mettrait en commun pour poser cette question. Qu'est-ce que nous faisons de nos enfants qui sont voisins mais qui ne partagent pas les valeurs communes? Vous voyez? Qu'est-ce que vous faites chez vous chez les Barega? Voilà. Qu'est-ce que vous faites chez vous chez les Bangala? Qu'est-ce que vous faites chez vous chez les Ngwandi? Lorsque un enfant insulte par exemple un adulte, comment est-ce que vous le punissez? Du coup, tous ces anciens se mettraient en commun en parlant un même langage, comme quoi, chez nous, si un enfant insulte un adulte, il est puni. Et d'ailleurs, ce n'est pas son père lui-même qui le punit, son père lui dit, va là-bas, chez la personne que vous avez insultée, demandez-lui pardon, et il autorise même à cette personne de flageller cet enfant. Regardez au jour d'aujourd'hui, figurez-vous, M. Kibambi, vous avez fait la fessée à l'enfant de votre voisin parce que cet enfant s'est mal comporté. C'est son père qui va venir méchamment vers vous et va dire « Pourquoi vous avez tapé sur mon enfant ?» Et pourtant, nous sommes une nation. Et l'enfant appartient à la société. L'enfant appartient à la société. Alors, si nous revenions un peu à la revitalisation de ces valeurs... Oui, la revitalisation de ces valeurs consistera tout d'abord à faire prendre la conscience aux individus et à la société congolaise comme quoi nos valeurs ne sont pas sataniques, nos valeurs ne sont pas surannées. Monsieur Kibambi, je suis personnellement navré lorsque j'apprends dans une église par exemple « Topa meli molimo ya coutume » et il y en a qui chantent « Na Afrique coutume ezali kindo » Ça c'est très grave. C'est une preuve éloquente de l'acculturation. Et du coup, comme je disais, nous devons commencer par revitaliser, c'est-à-dire remettre en valeur nos valeurs culturelles en faisant savoir que ce qui nous a été légué par nos ancêtres n'est pas satanique, n'est pas suranné. Voilà le point de départ. Bon, puisque vous y avez travaillé, vous avez identifié quelques valeurs... si vous pouvez nous les rappeler rapidement, tout le monde connaît les valeurs qui nous mettent ensemble. Et d'ailleurs, pourquoi seulement les valeurs que nous avons en partage? Parce qu'une autre communauté peut avoir des valeurs que vous n'avez pas inventoriées, mais qui sont importantes. Donc la diversité devient une richesse. La diversité, c'est vraiment une richesse. Mais pourvu que cette diversité soit comprise par les uns et les autres. Vous me posez la question de passer en revue les valeurs. La première valeur, et qui constitue la force même de toute institution, en l'occurrence de la nation, c'est l'impersonnalisation des institutions. Expliquez-nous un peu davantage. L'impersonnalisation d'une institution consiste à ne pas mettre les hommes au-dessus des valeurs. Je donne un exemple. Dans notre pays, nous avons des partis politiques. Cher A. On personnalise la partie. Autrement dit, et c'est ça le constat malheureux, lorsque cette personne chère à qui appartient le parti politique décède ou démissionne, le parti meurt. Tout simplement parce que on n'a pas fondé cette partie et ce parti politique, permettez-moi, sur des valeurs. On a fondé ces partis politiques sur une personne. Disais-je, la première valeur, et je me souviens, permettez-moi de les citer, le professeur Mutuza Kabe, in memoriam, il nous a laissé son testament « Des nations sans État à l'État sans nation ». C'était son dernier ouvrage, dans lequel il fait savoir que nous avons l'obligation, à l'instar du peuple léga d'ailleurs, d'impersonnaliser nos institutions.
Mettons les valeurs. Les valeurs dirigent mieux que les personnes. Deuxième aspect. D'ailleurs, je rends hommage au professeur Moutouza qui venait dans ce studio animer avec nous cette émission profonde. Merci bien. Deuxième valeur cardinale, il s'agit de la sélection objective des formateurs. Monsieur Kibambi, comment dans la culture légale en particulier et dans les cultures africaines et congolaises, on recrute les formateurs? C'est sur base de leur distinction positive dans la société. C'est pourquoi on parle des sanctions positives. Alors qu'aujourd'hui, on fait tout simplement allusion aux sanctions négatives. Sont sanctionnées positivement toutes les personnes qui, de par leur bonne conduite, ont fait preuve de valeur dans leur société. Comment on sélectionne aujourd'hui les formateurs? En l'occurrence, les assistants des universités. C'est juste une illustration. C'est parce que vous êtes l'enfant d'eux que vous êtes assistant. Et, point de besoin de le rappeler, la plupart des professeurs qualifiés laissent une bonne partie de leur charge horaire à ces assistants qui n'ont pas la qualification requise et qui ne sont pas forcément sélectionnés sur base des critères objectifs. Mais, excusez-moi, je vous interromps. Vous étiez sous les ailes du professeur Moutouza, non? Oui, à l'entame d'ailleurs de ma recherche quand je préparais mon diplôme d'études à Ceci expliquant cela. Voilà. Voilà. Il était réga comme vous, non? Oui, le professeur Moutouza était réga, oui, bien sûr. Donc, vous-même, vous êtes tombé dans le même piège dénoncez. Non, je ne suis pas tombé dans le piège. J'explique. S'il vous plaît, lorsque j'ai mon fils qui s'est distingué positivement dans un domaine quelconque et que je vais faire promouvoir ce domaine, ce n'est pas un péché de le prendre. C'est ce que le professeur Moutouza a fait de moi. Le premier jour que je suis allé le rencontrer, j'avais peur d'ailleurs parce qu'on disait qu'il ne recevait pas les gens. Ok? Il s'est rendu compte que je ne venais pas solliciter son intervention pour avoir des points. Parce que pour lui, il recevait parfois des demandes comme ça. Mais je venais exploiter une bibliothèque scientifique, en vue de me conduire dans mes recherches doctorales plus tard. Vous voyez, je disais, je ne suis pas tombé dans le piège. Et même la société qui a constitué le modèle de référence de ma recherche le montre clairement. Pour tout dire sur ce point, lorsque vous êtes l'enfant, par exemple, d'un chef coutumier, et que vous vous êtes mal comporté, vous êtes sévèrement sanctionné. Nous avons, par exemple, l'institution des Bouami chez le peuple léga, où on n'accède pas aux étapes des Bouami par hérédité, c'est par la méritocratie. Du coup, vous avez des qualités, vous méritez l'ascension. Vous n'avez pas des qualités, vous méritez... Ok, alors, ces valeurs ainsi identifiées, on en fait quoi? Très bien. Ces valeurs identifiées, on en fait trois choses. La première, on les sensibilise. On éduque les gens à ces valeurs. Et permettez-moi de vous remercier et de féliciter votre chaîne qui fait partie des rares chaînes qui fait la promotion des valeurs culturelles, qui éduque aux gens aux valeurs culturelles traditionnelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on les modernise aussi au regard de la mondialisation. Nous avons l'obligation d'adapter nos valeurs culturelles au contexte de la technologie, par exemple, au contexte de la mondialisation. Et vous avez dit, on les divinise, ça c'est grave. Ah voilà, j'en viens. Il faut les diviniser, bien entendu. Les diviniser veut dire faire savoir à tout le monde comme quoi vous n'apportez pas votre solidarité à votre frère, c'est comme quelqu'un... C'est comme un chrétien qui a commis un péché. Du coup, il a un problème à faire avec son Dieu. Et enfin, c'est ça le troisième point. Lorsque on éduque, okay, lorsque on les maîtrise, il faut maintenant les intégrer dans les curricula, c'est-à-dire dans les programmes d'enseignement, à tous les niveaux de scolarité. Voilà les étapes que je propose. Et alors, quelles sont les difficultés? Parce que quelqu'un qui réfléchit bien...
il doit se dire, bon, ce sont des théories, je m'attends à tel défi. Il faut que ce défi-là, je puisse... Quels sont les défis qui se présentent à vous sur ce chemin ? Sur le chemin de la mise en valeur de nos valeurs culturelles, nous avons deux catégories de défis. Nous avons les défis d'ordre structurel et des défis d'ordre conjoncturel. Je commence par les défis d'ordre structurel. Les défis d'ordre structurel sont ceux qui datent de longtemps et qui sont ancrés même dans notre manière de nous comporter. Il s'agit notamment du fait que nous-mêmes, nous avons abandonné ces valeurs, que nous-mêmes, à un certain niveau, nous les avons considérées comme surannées, comme dépassées. Sauvages. Il n'est pas aisé de faire comprendre à quelqu'un, par exemple, que votre enfant, l'enfant du voisin, je vais dire, est aussi mon enfant. Du coup, quand cet enfant se mécomporte, j'ai l'obligation de les corriger. Et j'inverse l'exemple. Votre enfant meurt de faim pour l'une ou l'autre raison. Je le considère comme mon enfant, je l'appelle chez moi, je lui donne à manger. Ce n'est pas l'occasion pour que les voisins disent « Opesaki moi ananga kindoki ». Comme c'est le cas d'ailleurs. Premier défi, d'ordre structurel. C'est-à-dire, nous devons faire un effort de rentrer dans ce qui a constitué le fondement de nos sociétés. Deuxième défi, toujours dans le cadre structurel, c'est la nécessité de concilier ces valeurs avec la modernité. C'est pas évident. Je donne l'exemple, un cas vécu. Je vois deux garçons chégués sur mon avenue, visiblement qui sont abattus par la faim. Je les amène chez moi. Je propose à mon épouse de leur donner à manger. Il leur donne un bon repas que moi-même je devrais manger. Mais ces enfants, figurez-vous, ont refusé de manger. Parce que sur le plan mental, on leur a fait savoir que manger chez les voisins, on va vous ensorceler. Et ces enfants m'ont demandé de l'argent. Voilà un problème structurel non négligeable que nous devons. Monsieur Spartacus, oui. Je vais vous apprendre quelque chose. Okay. Notre émission est terminée. Mais c'est extraordinaire. Nous, on n'a pas vu le temps passer. C'est la réalisation qui m'informe que l'émission est passée. Je crois que nos téléspectateurs n'ont pas non plus vu passer le temps. Ça veut dire que c'est intéressant ce que vous avez développé. Et la prochaine fois, devant mes amis habituels, nous reviendrons sur le même sujet afin qu'ils puissent pénétrer la plupart d'entre nous. Nous sommes une grande nation, nous sommes un grand pays, nous avons une grande diversité. Tout cela constitue ou devra constituer une grande force. Merci, Monsieur Spartacus Kabbala. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis.